Monsieur le Président de la République, merci tout d'abord d'avoir tenu à maintenir votre participation à cette 5e conférence nationale humanitaire. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis humanitaires, nous abordons maintenant la dernière séquence de cette journée. Mais si vous m'y autorisez, je voudrais brièvement évoquer les réalités qui sont au cœur des enjeux débattus aujourd'hui, à l'issue de 3 missions menées très récemment dans des pays touchés par des crises, sur lesquelles vous avez souhaité, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, que nous nous mobilisions tout particulièrement. À Sinjar, tout d'abord, cette ville d'Irak qui incarne le martyr des Yézidis face à la barbarie de Daesh, la ville de la lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Mourad, qui est à nos côtés ce soir, en Arménie, meurtrie par les conséquences du conflit au Haut-Karabakh, en Éthiopie et au Soudan, dans le contexte du conflit au Tigré, aux côtés du commissaire européen Lennart Cic, qui interviendra ce soir depuis Bruxelles. Nous y avons vu et entendu, comme sur de nombreux autres théâtres de crise, combien l'homme peut être bien pire qu'un loup pour l'homme. Mais nous y avons aussi rencontré des actrices et des acteurs humanitaires ne ménageant aucun effort, parfois au péril de leur vie, pour apporter un indispensable soutien aux populations les plus vulnérables. C'est au nom de leur engagement, et plus encore au nom de celles et ceux auprès desquels ils agissent, que nous sommes réunis ce soir. Nadia Mourad, qui porte avec sa fondation Nadia's Initiative la voix des Yézidis et plus largement celle des femmes victimes de crimes de guerre. Runa Khan, fondatrice de Friendship, une ONG intervenant auprès des réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Le docteur Johanny Bewa, agissant en faveur de la santé des femmes au Bénin et bien au-delà. Philippe Jachan, le président de Coordination Sud, un collectif qui rassemble près de 200 ONG françaises. Nous avons également sur nos écrans ce soir avec nous Janez Lennart Cic, le commissaire européen à la gestion des crises, Mark Lowcock, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de l'humanitaire, David Beasley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, lauréat du prix Nobel de la paix cette année. Nous devions avoir également la possibilité d'échanges avec d'autres intervenants. Malheureusement, les contraintes techniques n'ont pas pu nous permettre de les avoir avec nous ce soir, mais nous aurons déjà toutes ces personnalités pour participer à cette table ronde. Et Marie-Pierre Calais, la directrice générale d'ACTED, dont vous savez que l'équipe au Niger et leurs accompagnants ont été frappés par le terrorisme cet été, m'a fait passer un message que vous m'autoriserez peut-être à lire au cours de cette discussion, un message qui témoigne à la fois de l'impact humain, mais aussi de la résilience des équipes d'ACTED face à cette situation. Monsieur le Président, peut-être souhaitez-vous prendre la parole une première fois avant que nous demandions à Philippe Jachan de faire une synthèse des travaux de la journée. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. D'abord, je regrette de ne pas être physiquement avec vous au Quai d'Orsay. Je vous prie de m'en excuser, mais je tenais absolument à ce que nous puissions maintenir ce rendez-vous, ce moment d'échange et ma participation, comme je m'y étais engagé d'ailleurs il y a à peu près un an lorsque j'avais reçu plusieurs d'entre vous à l'Élysée. Et nous avions à ce moment-là évoqué les sujets syriens. J'aurai tout à l'heure à m'exprimer et j'essaierai de répondre à la fois à des sujets qui ont émergé ces derniers mois que nous avons évoqué, qu'il s'agisse d'ailleurs de la Syrie, du Nagorno-Karabakh, ou de cet espace humanitaire qui est, si je puis dire, en voie de rétrécissement, ou de menace par à la fois des pratiques et des puissances contemporaines. Vous avez évoqué les équipes d'ACTED. J'ai évidemment, en commençant cette réunion, une pensée pour l'ensemble de ces... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous en êtes d'accord, on va passer la parole à Philippe pour nous faire une restitution des travaux de la journée, une journée extrêmement intense,
à la fois de contributions et de débats. Philippe, si tu veux bien nous faire une synthèse. Merci, Monsieur le Directeur, cher Eric, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier tout particulièrement d'avoir maintenu votre présence, malgré tout, avec nous aujourd'hui, et vous souhaiter le meilleur établissement. Avant d'entamer mon propos, je souhaitais également remercier service du quai d'Orsay et tout particulièrement le centre de crise et son directeur pour le travail intense qui a été le nôtre, pour votre collaboration depuis de longs mois à l'élaboration, à la préparation de cette journée et votre engagement à nos côtés. C'est dans des conditions évidemment particulières que cette journée a été organisée. Je pense qu'on peut aussi aujourd'hui se satisfaire de sa réussite. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes aux 10 années de la Conférence nationale humanitaire et on rend hommage aussi à celles et ceux qui ont eu cette idée, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, de tenir tous les 2 ans un temps formel de dialogue, d'échange, de débat entre les ONG françaises, le gouvernement français, l'État et l'ensemble de la communauté humanitaire. Je pense qu'on en voit aujourd'hui tout l'intérêt. Je souhaitais également, donc pour revenir au sujet du jour, peut-être rappeler quelques éléments du contexte particulièrement difficile et inquiétant pour l'avenir de l'action humanitaire et de solidarité internationale plus globalement. Alors, il n'est pas ici besoin d'en faire une présentation exhaustive, très largement traitée aujourd'hui, mais permettez-moi d'en rappeler quelques points saillants qui ont nourri les recommandations faites par nos organisations. Tout d'abord, il s'agit de l'explosion des besoins en cours et à venir. L'ONU estime que plus de 235 millions de personnes dans le monde auront besoin d'une aide d'urgence en 2021, ce qui correspond à une augmentation de 40% par rapport à 2020. Les raisons en sont multiples. Impacts divers provoqués par la pandémie du Covid, bien entendu, les conséquences accrues du changement climatique, qui appellent aussi, et cela a été largement dit aujourd'hui, à verdir les financements humanitaires et les adapter, ou enfin les conséquences de conflits souvent infra-étatiques qui touchent en premier lieu les civils. Actuellement, jusqu'à 90% des victimes dans les conflits qui sévissent dans le monde le sont au sein des populations civiles. L'apparition de nouveaux acteurs militaires, non étatiques, les moyens et méthodes de guerre prohibées auxquels ont recours les parties engagées dans les conflits, ainsi que la forme de ces conflits, plus urbains, ont un impact majeur sur l'espace d'intervention humanitaire. Les populations sont au cœur des hostilités. Victimes civiles, déplacements forcés et destruction d'infrastructures vitales sont le lot de plus en plus courant de cette évolution des conflits sur le court et le long terme. D'après l'ONU toujours, d'ici la fin de l'année, 270 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. En outre, nous assistons pour la première fois depuis longtemps à l'augmentation de l'extrême pauvreté et à une espérance de vie qui chute. Le nombre de décès liés à la tuberculose, au paludisme et au VIH inquiète, il risque aussi de doubler. Or, c'est dans ce contexte qui appelle à plus d'investissements rapides et adaptés en matière humanitaire et de solidarité internationale que l'espace humanitaire est paradoxalement de plus en plus contraint, et particulièrement sous 3 aspects dont les participants ont largement discuté ce matin. Premièrement, et c'est sans doute ce qui entraîne tout le reste, c'est la remise en cause croissante du droit international humanitaire et des capacités d'action des ONG par l'application des différents régimes de sanctions et lois antiterroristes qui sont transposées par les États dans leur législation nationale et dans de nombreuses conventions de financement de l'aide humanitaire. Les ONG, entendons-nous bien, sont bien conscientes des enjeux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les questions de détournement de l'aide. Elles les appliquent d'ailleurs en toute responsabilité. Néanmoins, certaines demandes imposées aujourd'hui par les États ne peuvent être acceptées et font porter des risques sécuritaires et juridiques conséquents sur les ONG ainsi que sur leurs opérations sur le terrain. Elles alourdissent également les procédures, augmentent bien sûr les coûts de fonctionnement, mais le plus grave, elles criminalisent les ONG impartiales et restreignent l'accès aux populations. In fine, ces dispositions limitent une aide dont le seul fondement ne peut être autre que la réponse aux besoins des populations sans aucune distinction.
Cela rentre bien en contradiction flagrante avec les principes humanitaires qui fondent notre mandat, celui de la neutralité, de l'indépendance et de l'impartialité et du secours en toutes circonstances. Si nous continuons comme cela, c'est vers un risque d'inapplicabilité totale du droit international humanitaire que nous allons, avec toutes les conséquences tragiques que cela entraînera. Deuxièmement, la croissance des attaques à l'encontre des acteurs humanitaires eux-mêmes. Les chiffres confirment la terrible réalité, celle d'une augmentation sur l'année écoulée de 18% du nombre de victimes, tuées, blessées ou enlevées, parmi les humanitaires. Après une année 2019 qui avait déjà été la plus violente à leur égard, 483 travailleurs humanitaires attaqués, 124 tués selon les Nations Unies. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. Les attaques contre le personnel humanitaire, quelle que soit la nationalité, la religion ou la couleur de peau, ne sont le plus souvent ni le fruit du hasard, ni de phénomènes exceptionnels. Au contraire, elles témoignent de la volonté délibérée de commanditaires, qu'il s'agisse d'États ou de groupes armés, de les cibler. Et cela ne peut rester impuni. Des mécanismes existent. Ils ont besoin d'être renforcés et de moyens, notamment sur la collecte de données, mais aussi d'une exigence politique claire. Nombre de pistes, d'ailleurs, ont été explorées durant cette conférence, et nous pensons qu'ils méritent d'être poursuivis afin de mieux caractériser les crimes contre les humanitaires. Il faudra, en tout état de cause, traiter la cause principale de l'insécurisation croissante du cadre de travail des humanitaires, qui a pris des formes de radicalité extrême peu vécues auparavant. La dégradation accélérée de l'acceptabilité de la présence des acteurs par les différents protagonistes des conflits est un recul qui doit inquiéter l'ensemble des défenseurs des droits humains et de l'héritage des grandes avancées du droit international humanitaire. La troisième, enfin, relève de ce qu'on appelle désormais le triple nexus humanitaire, développement, paix ou sécurité. Nous pensons qu'une articulation et que la recherche de complémentarité entre ces trois dimensions peut et doit être porteuse d'efficacité. Mais cela ne peut se faire qu'à la condition du respect absolu des mandats différenciés de chaque partie. Celui des ONG de solidarité internationale ne saurait se confondre avec celui des acteurs de missions de sécurité ou de paix. La confusion civile ou militaire dont il a été question ce matin peut entraîner des doutes relatifs à l'impartialité et à la neutralité des ONG et contribuer, de ce fait, à accentuer encore les attaques à leur encontre. Voilà pourquoi les organisations réunies aujourd'hui portent devant vous les conclusions et recommandations suivantes et qui ont pour objectif d'étendre et de protéger l'espace humanitaire, de faire respecter, de prévaloir le droit international humanitaire et les principes humanitaires. Cela essentiellement et prioritairement afin de protéger les acteurs, respecter leur mandat, surtout de permettre, bien sûr, la poursuite de l'exercice essentiel de solidarité et d'assistance aux populations. Aussi, Monsieur le Président, nous attendons de la France qu'elle poursuive résolument un agenda politique conformément à ses engagements sur le long terme, relatif à la protection de l'espace humanitaire, entendu pour nous comme celui qui englobe l'ensemble des actions de solidarité internationale inscrites dans le temps court ou dans un temps plus long, dont le premier objet est de répondre aux besoins des populations vulnérables. En créant une commission paritaire technique qui aura vocation à revitaliser l'appel à l'action humanitaire franco-allemande de 2019 et composée notamment des États signataires et des ONG. Cette commission pourra engager un travail de fond au niveau national afin de pousser à la mise en œuvre du droit international humanitaire, poursuivre et renforcer la formation des acteurs et actrices étatiques et non étatiques au droit international humanitaire afin d'éviter les assimilations et garantir l'indépendance des ONG. Elle pourra par ailleurs définir la forme et le contenu de mesures concrètes pour la sauvegarde de l'espace humanitaire et la protection des personnels et de l'ensemble des ONG, qu'elles soient à but humanitaire ou de développement. Par ailleurs, elle pourra appuyer l'intégration d'exemptions humanitaires dans l'ensemble des textes et régimes de sanctions édictés par la France, l'Union européenne, ainsi que dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et c'est sur ce point que nous pensons que sur le plus court terme, et pour atténuer l'impact des mesures antiterroristes et des régimes de sanctions sur l'action de solidarité internationale, et faire garantir le respect du droit international humanitaire, qu'il nous semble également indispensable que la France introduisent explicitement une mesure de sauvegarde de l'espace humanitaire sous forme de clause d'exemption et de respect du DIH, à l'instar de la Suisse et du Tchad, dans les lois antiterroristes françaises et le code pénal français, notamment en transposant les considérants 37 et 38 de la directive de l'Union européenne et de soutenir l'harmonisation de ces mesures pour tous les financements de l'Union européenne. Il nous paraît également impératif
que la France réaffirme fermement qu'en aucun cas, elle ne mettra en place, dans le cadre de son soutien financier aux ONG de solidarité internationale, que cela soit par le canal du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou de l'AFD, des dispositifs de criblage visant les destinataires finaux de l'action ou nécessitant le recueil et ou la transmission d'informations ou de données les concernant, et ce, en lien avec les principes humanitaires. La France doit s'engager à soutenir ces dispositions au sein du Good Humanitarian Donorship et auprès de l'Union européenne. Monsieur le Président, ce point et le précédent sont capitaux. En outre, comme la France est actuellement en cours d'audit par le GAFI, il est primordial dans ce cadre qu'elle s'assure qu'aucune mesure prise n'ait d'impact sur les opérations humanitaires, que la protection des principes humanitaires et l'accès des populations à l'aide soient garantis et qu'elles soutiennent et facilitent la participation et les contributions des ONG au sein du GAFI. La clarification indispensable du cadre juridique de l'action humanitaire, dont il a été largement question aujourd'hui, doit également permettre de faciliter les modalités de transfert bancaire des ONG et leurs partenaires locaux, sujet qui est en discussion entre les ONG et l'État depuis 2 ans déjà, ainsi que d'import-export de matériel restreint par des mécanismes spécifiques et des garanties de l'État, de faciliter le dialogue entre les ONG, les banques, le Trésor et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et s'assurer que ce dialogue quadripartite ait lieu de manière régulière. Par ailleurs, la France doit diffuser auprès des différentes parties prenantes, privées, banques ou entreprises, les informations sur l'existence d'exemptions et leur application, et de veiller à les sensibiliser sur les impacts des mesures et restrictions posées aux actions des ONG. Elle doit également s'engager à mettre en place des mesures contraignantes, y compris législatives, auprès des organismes bancaires, afin d'éviter toute action de surconformité. La protection de l'espace humanitaire, c'est également veiller à éviter toute confusion avec les missions de paix et de sécurité dont j'ai fait état précédemment. C'est pourquoi, tenant compte de la complexification des contextes et du triple nexus dont il a été question ce matin, il apparaît fondamental de veiller à ce que la solidarité internationale soit préservée de tout agenda politique ou sécuritaire et puisse être déployée uniquement selon l'expression des besoins des populations. Les mandats des personnels humanitaires doivent nécessairement être distingués de tout autre acteur sécuritaire, sous peine de mettre en risque les femmes et les hommes qui agissent sur le terrain, qu'ils soient personnels locaux ou internationaux. Pour cela, il apparaît essentiel de créer des espaces de dialogue et des échanges entre les différents acteurs pour s'assurer d'une meilleure coordination de leurs actions et surtout d'une meilleure compréhension des contextes et des rôles de chaque partie prenante. Nous pensons également essentiel d'assurer la pleine participation des acteurs locaux dans la planification des réponses aux crises. La protection du droit international humanitaire, c'est aussi l'attention à la cohérence de nos différentes politiques publiques. En ce sens, les organisations présentes aujourd'hui rappellent et appellent à encadrer et limiter l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. Un processus diplomatique est en cours sur ces questions conduit par l'Irlande. La France est engagée dans ces discussions et nous nous en réjouissons, mais nous souhaitons qu'elle reconnaisse la nécessité d'éviter l'utilisation des armes à large rayon d'impact en zone peuplée. Nous parlons ici des armes les plus lourdes, les plus destructrices, les bombardements, les pilonnages des villes, qui ont des effets prévisibles, disproportionnés et indiscriminés sur les populations civiles. En lien avec le point précédent, il faudra s'assurer que les ventes d'armes n'alimentent pas les violations du droit international humanitaire. Nous pensons notamment au cas emblématique du Yémen, dont il a été également question aujourd'hui, notamment en instaurant plus de transparence et en donnant au Parlement la possibilité d'exercer un réel contrôle sur les ventes d'armes. Monsieur le Président, l'action humanitaire est aujourd'hui cernée de toutes parts, alors qu'elle est appelée à poursuivre coûte que coûte ses missions et à porter ses réponses à des besoins en croissance. Cernée, il faut prendre garde à ce qu'elle n'étouffe pas. Il est donc temps d'inverser la roue, en étendant au contraire l'espace humanitaire, en le sécurisant et en le protégeant. Monsieur le Président, votre présence pour la conclusion de notre conférence aujourd'hui, la première pour un président de la République, confirme votre attention à ce sujet exprimé lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est déjà une marque forte pour toutes nos organisations. Pour reprendre vos paroles, si vous le permettez, vous disiez alors, à cette même Assemblée générale, que l'espace humanitaire est un patrimoine commun qu'il nous faut protéger en garantissant l'accès aux populations civiles, comme la protection des personnels qui les soutiennent. La neutralité de l'action humanitaire doit être respectée et sa criminalisation endiguée. Ces mots sont essentiels.
Nous sommes convaincus qu'au-delà de nos organisations et des causes que nous portons, les enjeux humanitaires et la protection de l'engagement solidaire et sans distinction constituent des enjeux de civilisation. Secourir, soigner, assurer la dignité des personnes humaines ne devrait pouvoir se négocier à aucun prix. Il y a une ligne que ne peuvent franchir les acteurs humanitaires, au risque de se perdre eux-mêmes et de perdre avec eux ce patrimoine dont vous avez à très juste titre parlé. Le pire, c'est qu'ils risquent également de donner raison à ceux qui attaquent leur mandat sur le terrain au quotidien. Monsieur le Président de la République, notre attente est grande que vous confirmiez les paroles prononcées et saluées en septembre par des actes aujourd'hui. La loi pour le développement et la lutte contre les inégalités mondiales, dont nous saluons le passage en Conseil des ministres hier, constitue une occasion pour cela, si vous le soutenez, et pour faire de cette conférence nationale humanitaire le point de départ effectif d'une mobilisation nationale, européenne et internationale pour la reconquête de l'espace humanitaire et de la solidarité internationale. Je vous remercie. Merci Philippe et merci pour cet exercice compliqué de synthétiser une journée entière en 10 minutes. Tu t'étais engagé à tenir 10 minutes, tu l'as à peu près fait, merci beaucoup. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on va demander aux différents invités présents physiquement ou au travers des écrans, et là aussi, elles et ils se sont engagés à être très courts, cette fois-ci en 2 à 3 minutes grand maximum, et je les en remercie de faire quelques commentaires après cette synthèse, et évidemment en évoquant des sujets qu'elles et ils souhaitent dont ils souhaitent vous faire part. Peut-être qu'on peut commencer par Nadia Mourad. Nadia, you have the floor for 2 to 3 minutes, as you promised. Thank you, Eric. Thank you, President Macron and Minister Le Drian, for inviting me to speak today. I am honored to join so many renowned leaders and humanitarians at this event. The humanitarian challenges faced by communities across the world today are greater than ever because of the complexities of COVID-19. Therefore, our collective responses must be greater and swifter. We must act quickly to save lives. The international humanitarian system was designed to help in moments of crisis. However, the unfortunate reality is for millions of refugees and IDPs across the globe, moments have turned into decades. More than 79 million people are displaced across the globe, and those who have been displaced for over 5 years on average end up spending more than 20 years displaced. This is quite significant. An entire generation is raised being displaced. Having surpassed the 5-year mark, my community is in the midst of this limbo. 6 years after ISIS atrocities, the Yazidi genocide is no longer front page news. Yet, the humanitarian crisis persists. 6 years later, hundreds of thousands of Yazidis remain in cramped, under resourced IDP camps, only 3 hours from their homeland. Those who have returned home lack access to basic services and stable local governance. Contrary to public perception, genocide is not a singular event. It is a process of marginalization, violence, and resource deprivation. ISIS not only attempt to destroy our bodies, religion, and culture, they also systematically destroy culture, land, and basic resources to prevent our community from ever returning home. Yazidis withstood ISIS violence with great resilience.
but it is yet to be determined whether we can end the process of genocide and truly thrive as a community. The crisis will not end until dignified living conditions are comprehensively restored in Sinjar. The fight against ISIS may have been won militarily, but the international community cannot claim victory if targeted communities like the Yazidis are unable to return home and heal. The genocide committed against the Yazidis, the destruction of our homeland, and the widespread enslavement and sexual violence against Yazidi women must not be seen as collateral damage of these conflicts. Sinjar and Yazidis in Iraq cannot survive this genocide without real commitments and political will from the international community. Mr. President, it is no longer sustainable to keep hundreds of thousands of traumatized survivors of genocide and sexual violence in displacement camps, only 3 hours away from their homeland. I am aware that there are many challenges in Iraq, but there are solutions within reach both economically and politically. These solutions require political will and commitment from both Baghdad and Erbil, as well as support from the European Union and the rest of the international community. A holistic approach is needed to ensure a permanent solution to Sinjar's instability and the ongoing suffering of the Yazidis. Thank you so much. Merci beaucoup, Nadia. Est-ce qu'on peut désormais passer la parole à Runa pour un témoignage sur une autre zone où on peut constater malheureusement des souffrances considérables? Merci, Runa. Thank you, Eric, Mr. President, Minister. So today we are facing a huge paradox. Whereas the biggest challenges are accelerating, climate crisis, migration, terrorism, and of course the global health crisis, all define borders, yet raising new and still higher barriers. And in particular, in the delivering of humanitarian aid according to the traditional modes of operation. And for 20 years, I have been a witness and an actor in this changing environment, serving between 6 to 7 million people annually. With always more areas becoming remote and communities harder to reach, all of us are bound by a vision and understanding that the only way to create long-lasting impact and generate true development is to ensure that the communities become resilient, empowered, and have a strength of dignity and self-respect to be able to make their own decision. And this, today we have seen, is no longer an option. It's the only way that communities will survive. I deeply feel that the modalities of humanitarian and development aid, as it has emerged 50, 60 years ago, is really no longer meeting the needs. And actually, it's quite old-fashioned. The world and its strengths have changed, and we need to reinvent our humanitarian and development model, both in practical modality and in spirit. Because proximity, local organizations have a central role to play. Local organizations must be trusted for their capacity, not just as implementers, but also that they understand the needs and bring the right solutions. However, that doesn't mean that the power and money has to be shifted from international actors to local actors. Because this concept of localization
is truly being misunderstood. Lorsqu'on parle Everyone de localiser l'aide, en fait, on comprend mal ce qu'on veut dire par cela. Tout le monde a un rôle à jouer et ce concept de localiser l'aide crée des peurs et des craintes. Il faut peut-être utiliser un autre terme que celui que nous utilisons, la localisation, c'est-à-dire les ressources données sur un plan local. Il faut peut-être trouver un autre terme et il faut impliquer les communautés locales et les ONG. Nous devons travailler comme une seule et même équipe. Chaque entité participant dans une action donnée doit contribuer à la mesure de ses moyens et nous devons nous assurer que nous aidons les uns les autres. Bien évidemment, cela n'a pas été facile à accepter pour un certain nombre de personnes, mais je suis fière de le dire parce que je suis française. Le CDCS a été extrêmement efficace. Merci beaucoup, Eric, et en particulier dans son action avec les Rohingyas et d'autres communautés victimes de désastres. Et pareil pour l'AFD, il n'y a plus nord, sud, est, ouest. Et le Covid l'a prouvé très clairement. Nous devons changer de méthode de travail. Il nous faut passer à des modalités de coopération internationale. La France, Monsieur le Président, a le pouvoir. Elle a les capacités. Vous avez le pouvoir. Vous avez les capacités pour nous montrer comment aller de l'avant, pour forger ce nouveau paradigme qui est absolument nécessaire dans notre monde aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Runa. Nous avions prévu de demander au Dr Bewa d'intervenir maintenant, mais pour des raisons techniques, je crois que David Besley souhaiterait pouvoir parler maintenant. Donc, si vous nous y autorisez, Monsieur le Président, et si le Dr Bewa nous y autorise, et je crois qu'elle le fera gentiment, je sais qu'elle le fera gentiment, on va peut-être demander à David Besley d'intervenir maintenant depuis le siège du Programme alimentaire mondial, une nouvelle fois prix Nobel de la paix 2020, et nous nous félicitons de ce prix Nobel. Oui, on a un petit souci avec David Besley qui n'a peut-être pas enlevé son bouton mute. Est-ce que quelqu'un peut prévenir David Besley, s'il vous plaît? Je crois qu'on est en train de le prévenir, malheureusement. Il a l'air très enthousiaste, malheureusement, on ne sait pas à quel propos. Écoutez... Ah oui, on va passer, voilà. Donc, désolé, on va passer effectivement au docteur Bewa. Donc finalement, Joanie, ça n'était pas un coup du sort, puisque désormais, on peut effectivement revenir à l'ordre qui était prévu. Docteur Bewa. Je vous remercie, docteur Chevalier. Excellence, monsieur le président de la République, monsieur Macron, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Le Drian, chers invités ici présents, je vous remercie pour cette invitation et surtout pour avoir fait en sorte que la voix africaine soit présente à cette table ronde. Alors, mon expérience au Bénin, dans la sous-région africaine et également mon exposition à certaines organisations comme la Young Beninese Leader Association, le réseau des femmes leaders africaines pour la paix et la sécurité, ou les femmes dans la santé globale, Women in Global Health, m'ont permis de comprendre les enjeux discutés au cours de cette table ronde. Alors, je vais de façon très spécifique identifier quelques leviers et quelques recommandations pour pouvoir porter l'action humanitaire et pouvoir adresser les commentaires faits au cours de cette journée. Le premier élément que je voudrais souligner, c'est le cadre juridique, en vue de faire en sorte que la vulgarisation du droit international aux parties prenantes soit réelle. Le deuxième aspect qui, pour moi, semble très important et clé, c'est la coordination. La coordination non seulement des acteurs, non seulement des actions, mais également des ressources. Il est important également de voir comment est-ce que les attaques contre les professionnels de l'humanitaire et les professionnels de santé fassent l'objet de mécanismes de répression stricts. Lorsque nous parlons des communautés locales dans les zones de conflit, je pense que ces communautés font partie de la solution
Et une réponse humanitaire complète doit pouvoir faire en sorte que ces communautés locales soient autonomes, soient incluses non seulement comme bénéficiaires, mais aussi comme des acteurs privilégiés. Nous avons vu des campagnes de désinformation dans le Sahel et dans d'autres régions, et ces communautés locales peuvent être les porte-voix pour aller contre ces campagnes de désinformation. Et je pense qu'un cadre pour renforcer la capacité de ces organisations pourrait être une initiative unique. La mise en place d'espaces de dialogue inclusif avec les acteurs, y compris les réseaux locaux, pour mettre en œuvre, suivre, mais aussi en matière de suivi et de redevabilité, je pense pourrait avoir un impact également considérable. Plus important encore, c'est de voir comment réconcilier le développement, l'humanitaire et la sécurité. Et à ce niveau, par exemple, j'ai observé personnellement que les mesures sécuritaires et les réponses armées parfois sont privilégiées, mais les deux autres articulations du nexus, que sont le développement, qu'il soit économique, qu'il soit social, et la paix, doivent également être recentrées. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sur la base de ma petite expérience au Sahel et dans la région africaine, je pense que des investissements durables en matière d'éducation, de santé, de création d'emplois pourront faire que les jeunes qui sont attirés par la migration ou attirés par les propos terroristes pourraient se recentrer, et cela pourrait contribuer à bâtir une jeunesse africaine renforcée, autonome, qui se lève contre le terrorisme. Et pour nous, une initiative que nous pensons pourrait vraiment faire la différence, c'est une initiative qui, tout en œuvrant à agir contre le terrorisme, mettra également le capital humain au centre des interventions. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais aller sur deux points essentiels. Un autre point qui est très capital, c'est l'aspect de la santé des femmes dans le contexte humanitaire. Nous savons que dans plusieurs pays, le viol est utilisé comme arme de guerre. Nous avons également vu que la pandémie de COVID-19 a mis l'accent sur les violences basées sur le genre, mais également a discontinué l'accès des femmes et des jeunes filles aux services de santé de la reproduction et les services de santé maternelle. Et pour moi, je pense qu'il s'agit là d'une question de dignité, de s'assurer que ces populations vulnérables ont accès aux services. Et finalement, il est aussi très important de voir dans quelle mesure nous pouvons repositionner le nexus développement humanitaire et paix. Mais j'ai bien l'habitude de dire que nous devons commencer à penser à un plexus qui prend en compte le développement, l'humanitaire, la paix, mais également les questions de démographie, d'investissement sur le capital humain et les questions liées au genre. Je pense que la France a un leadership extraordinaire sur cette thématique et je voudrais une fois encore, Monsieur le Président, saluer le leadership de votre gouvernement et vous-même, mais aussi continuer à exhorter ce gouvernement à beaucoup plus aller de l'avant et prendre des décisions qui pourraient donner l'exemple à d'autres pays. Quand je prends un dernier point, celui en rapport au financement, un financement flexible, spécialement dans ce contexte humanitaire, fera la différence et fera une différence remarquable. Et à ce prix, je sais que la France est actuellement en train de mener un certain nombre d'efforts par rapport à du financement flexible dans le domaine humanitaire. Et je voudrais donc faire un appel à l'action de votre gouvernement pour que ces efforts en cours soient réalisés. En résumé, le contexte humanitaire actuel a démontré l'importance de développer, de renforcer, mais surtout, Monsieur le Président, de maintenir des espaces de dialogue forts, des espaces de dialogue humanitaire, mais surtout une coordination des acteurs. Le leadership de la France, le leadership visionnaire de la France est vu, est observé, et je voudrais une fois encore appeler ce gouvernement à l'action pour pouvoir donner le ton à la réponse au monde humanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joannie, pour cette clarté et cet enthousiasme. Je crois que nous pouvons retrouver l'enthousiasme et l'énergie de David Besley, cette fois-ci avec le son, ce qui est évidemment beaucoup mieux. David, you have the floor. Yeah. Je pense que vous m'entendez. Mon micro est allumé. Les problèmes techniques sont résolus. Je suis ravie de vous voir. Je suis ravie de voir Yannès et Marc, avec lesquels nous avons travaillé depuis des années. Nous avons relevé beaucoup de défis, Monsieur le Président. Je suis vraiment désolée que vous ayez COVID. Donc, trois choses. Il faut se reposer. Ne vous laissez pas surmener. Et faites attention, je suis ravie de vous voir aujourd'hui avec nous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me souviens, Tony Blair m'avait appelé au mois de mars et il a dit, David, tu voyages partout dans le monde, tu vois beaucoup de zones de crise, qu'est-ce que tu vois? Et je lui ai dit, Tony, je suis extrêmement inquiet parce que le COVID vient dans une situation déjà extrêmement mauvaise.
française, parce que nous avons vu des personnes qui étaient au bord de la famine et des chiffres absolument immenses, des dizaines de millions de personnes. Et tout cela est venu en plus des crises qui ont été le fait de l'homme au Yémen, en Syrie et ailleurs. Et puis maintenant, on a le Covid. Et aujourd'hui, alors je ne parle pas des personnes qui ont faim, je parle des personnes qui sont vraiment affamées, en état de famine. Leur nombre a augmenté de 135 millions à 270 millions dans le monde. Et si vous pouvez imaginer, le Covid a eu des effets économiques absolument catastrophiques dans le monde. En plus des problèmes absolument énormes dans d'autres domaines. Et donc, un très grand nombre de pays vont avoir de plus en plus de problèmes en 2021. Ils vont avoir beaucoup moins d'argent, mais leurs besoins vont augmenter. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrions avoir une famine jamais vue auparavant, une déstabilisation des pays dans le monde jamais vue auparavant et également des mouvements de migration de masse. En 2020, nous avons pu l'éviter parce que les chefs d'État partout dans le monde ont écouté l'appel lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies au mois d'avril dernier. Et tout le monde s'est levé pour travailler ensemble. Entre 80, des dizaines de trillions de dollars ont été mobilisés partout dans le monde pour faire face au Covid et aux conséquences du Covid. Mais 2021 est à nos portes et l'année risque d'être extrêmement difficile. Le programme alimentaire mondial a envoyé une aide partout dans le monde, dans plus de 100 pays dans le monde. Nous n'apportons pas uniquement une aide alimentaire, mais une aide sous différentes formes qui constitue la colonne vertébrale de l'aide des Nations Unies de manière générale. Et bien évidemment, la France est un des acteurs principaux avec nous. Lorsque nous regardons 2021 qui est à nos portes, nous voyons le volume énorme de travail qu'il nous reste à faire. Il va falloir éviter la famine, il va falloir nous éviter la déstabilisation et l'immigration. Ce que nous avons vu dans la guerre en Syrie, parce que nous n'avons pas été assez en anticipation, nous pouvons soutenir les Syriens à 50 centimes par jour, mais lorsque ce Syrien arrive à Bruxelles ou dans une autre ville européenne, le soutien quotidien nécessaire passe de 50 centimes à 50 euros. Ces personnes-là n'ont pas la paix, n'ont pas de sécurité alimentaire et donc ils feraient ce que nous ferions tous pour nos enfants, trouver un meilleur endroit pour y vivre. Et donc 2021 risque d'être une année de crise et il y a 430 trillions de dollars de richesses créées chaque jour sur cette terre et nous devons à ces populations de les aider et je pense que si nous travaillons ensemble en pleine solidarité, nous pourrions éviter ces catastrophes qui frappent à nos portes. En 2021, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas financer tous les programmes. Il va falloir définir des priorités pour 2021 et si nous le faisons, nous pourrons survivre à cette année 2021 espérant des temps meilleurs. Et là, nous nous retrouverons dans une situation qui nous permettra d'essayer de faire face aux famines et aux problèmes de sous-développement. Merci beaucoup pour cette opportunité de participer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Nous allons rester en Europe pour aller vers Bruxelles et demander à Janesh Lenarčič de bien vouloir nous donner brièvement déjà un premier aperçu de la perspective européenne sur les enjeux de l'action humanitaire aujourd'hui. Et je crois en français, parce que j'ai été très impressionné dans un voyage justement en Éthiopie et au Soudan récemment avec Janesh, par la qualité de son français et par son implication sur les enjeux de la protection du droit international humanitaire. Merci, Eric. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un rapide remerciement. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je suis très honoré et très heureux de participer aujourd'hui à la 5e édition de la Conférence nationale humanitaire. Cette conférence est devenue un rendez-vous très important en France et aussi en Europe, parce que le besoin
et les défis ne cessent pas de croître, parce que renforcer l'efficacité de nos actions est impératif, parce que le combat pour le respect des valeurs et des principes humanitaires est plus que jamais indispensable, parce que nul ne sera capable de répondre seul à ces défis et que nous devons renforcer nos partenariats. Je pense au partenariat entre l'Europe et les Nations Unies pour renforcer le multilatéralisme et faire respecter les principes et valeurs humanitaires. Je pense au partenariat entre Européens pour offrir au monde une Europe plus forte et plus solidaire. Nous avons démontré à plusieurs reprises que nous pouvions le faire dans l'humanitaire, notamment avec le pont humanitaire aérien que nous avons mis en place ensemble. Je pense aussi à notre mission conjointe il y a 10 jours en Éthiopie et au Soudan avec Éric Chevalier pour réagir aux graves violations des principes humanitaires. Je pense au partenariat entre bailleurs et ONG pour dépasser notre relation contractuelle et bâtir une analyse commune des défis et des solutions. Je tiens à cet égard à saluer le rôle fondamental joué par Réseau logistique humanitaire dans le cadre du pont aérien. Sans vous, rien n'aurait été possible et nous aurons encore besoin de cette collaboration à l'avenir. Je pense aussi au partenariat entre les acteurs de l'humanitaire et du développement, qui seul nous permettra de bâtir des solutions durables et de renforcer la résilience des populations. Je pense enfin à tous les partenariats possibles avec de nouveaux bailleurs de fonds, y inclus le secteur privé, pour attirer plus de financement. Pour toutes ces raisons, cette conférence est un rendez-vous très important. Je tiens à remercier la France ainsi que tous les participants pour leur précieuse contribution. Et je me permettrai de réagir à 4 priorités. La première est que nous devons continuer notre combat pour le respect des valeurs et des principes humanitaires en toutes circonstances. Je suis heureux d'annoncer que la Commission rejoint l'appel franco-allemand pour le droit international humanitaire et la protection des acteurs humanitaires. Je suis également déterminé, avec le haut représentant, à user poids de la diplomatie européenne et de ses instruments pour y contribuer. Nous le démontrons en ce moment même en Éthiopie, où nous venons de suspendre tous nos décaissements d'appui budgétaire tant qu'il n'y aura pas d'accès humanitaire. C'est une première. La seconde priorité est que nous devons concilier les objectifs de nos sanctions et ceux de l'action humanitaire, dans les contextes politiquement difficiles en particulier. Nous travaillons à ce que les sanctions n'entravent pas le cheminement d'aide humanitaire. La règle de non-vérification de l'identité des bénéficiaires est fondamentale et devrait devenir un principe commun à tous les bailleurs, mais nous devons également accepter des exceptions humanitaires plus systématiques dans nos régimes de sanctions. La troisième priorité est que nous devons faire plus pour aider les populations à faire face à l'impact du changement climatique. Inondations, sécheresses, tornades, nous devons innover et miser sur l'anticipation et la préparation aux catastrophes naturelles. Et les humanitaires ne peuvent être seuls pour répondre aux conséquences. Nous devons travailler avec les acteurs du développement pour aider les sociétés à mieux s'adapter et se préparer. Et c'est la quatrième priorité, que nous devons mieux articuler l'humanitaire et le développement. Dans toutes les situations de crise prolongée, nous travaillerons avec nos instruments financiers pour permettre une transition plus rapide vers des solutions durables et réserver les fonds humanitaires aux véritables situations d'urgence. C'est seulement un échantillon de nos priorités. Renforcer notre action, c'est un impératif. Par conséquent, je présenterai, tout en réaffirmant nos principes fondamentaux, une vision renouvelée de l'action humanitaire européenne dans une nouvelle communication l'année prochaine. Je veux une action européenne plus forte, plus efficace, plus innovante, mieux coordonnée et plus opérationnelle. Et tous les échanges de ce jour y contribueront directement. Je vous remercie.
Merci beaucoup Yanesh et merci pour ce message très énergique européen. Et je crois que le ministre a tout particulièrement apprécié que l'Union européenne rejoigne l'appel qu'il avait lancé avec ECOMAS il y a désormais un certain temps. Le fait que l'Union européenne en tant que telle le rejoigne, je crois que c'est très important. On va, si vous l'acceptez, Monsieur le Président, demander à Mark Lowcock, qui a été d'une extrême patience, et nous nous remercions, depuis New York, de bien vouloir nous dire la perspective de l'organisation. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Félicitations, Eric, pour cette excellente conférence et pour le bilan très éclairant. Nous avons quelques observations à faire. Première chose, les besoins sont en train de croître parce que nous ne traitons pas les causes de ces crises. Il y a trois causes. Premièrement, les conflits. Il faut que le monde s'améliore dans la résolution et la prévention des conflits. Deuxièmement, les changements climatiques. Nous devons mieux agir pour faire face aux changements climatiques et nous y adapter. Et la troisième cause, c'est le COVID, Monsieur le Président. Bon rétablissement. La pandémie est en train de se répandre partout dans le monde. Il nous faut donc mieux traiter les causes de cette crise. Je pense que le système de réponse humanitaire dans le monde est bon. Les agences spécialisées des Nations Unies font un excellent travail. Cette année, nous avons aidé une centaine de millions de personnes et nous avons sauvé des millions de vies. Ce système est financé sur une base volontaire par les pays membres. Et l'un de nos défis, c'est de faire en sorte que le fardeau soit partagé plus équitablement. Nous avons besoin d'avoir un système durable dans lequel davantage de pays contribuent. Je voudrais faire une observation sur le droit humanitaire international. C'est un domaine dans lequel la France a joué un rôle de leadership depuis longtemps et pendant longtemps. Les crimes contre les travailleurs humanitaires qui sont le fait de groupes extrémistes, mais aussi d'un certain nombre d'États, comme nous l'avons vu en Syrie. Et le problème est que les gens ne pensent pas qu'ils doivent respecter le droit humanitaire international. Ils ne sentent pas qu'on leur demandera des comptes un jour. Si nous voulons que cela s'arrête, nous devons faire en sorte que les gens rendent des comptes pour leurs actes. Et l'initiative sur laquelle vous travaillez serait forte si nous pouvons mettre l'accent sur la responsabilité, c'est-à-dire obliger les gens à rendre compte de leurs actes. Merci Marc beaucoup pour la clarté et la brièveté de ces propos, mais qui n'en sont pas moins importants. Monsieur le Président, vous souhaitez peut-être maintenant soit poser quelques questions à nos invités, soit nous donner quelques éléments de votre propre appréciation des enjeux humanitaires. C'est évidemment comme vous le souhaitez. Peut-être avant que je vais évidemment réagir et avoir quelques propos, mais j'ai bien noté moi le compte-rendu que Philippe a fait. Je remercie chacun des participants pour... Justement, la part de vérité qui a été apportée, plusieurs ont souligné les défis de 2021. Moi, la question que j'aurais voulu très naïvement leur poser, c'est qu'est-ce qui inquiète le plus les participants à cette conférence sur l'année qui vient ? Parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup de conflits qui demeurent, on a en effet les conséquences du virus, on a les populations déplacées, la grande pauvreté. Mais qu'est-ce qui les inquiète le plus et en quoi l'action de la France, de l'Europe et de la communauté internationale est le plus attendue là-dessus? Merci, Monsieur le Président. La question est claire et elle s'est tournée vers l'avenir. Peut-être qu'on peut proposer à Marc, à Yanesh et à Philippe de nous donner brièvement des éléments de réponse. Évidemment, les autres sont invités à le faire aussi si elles et ils le souhaitent. Marc. Yeah.
Yes, thank you very much indeed. Merci beaucoup. I mean, I think that is the most important question. Monsieur le Président, je pense que c'est en effet la question la plus importante. Je pense que le problème le plus urgent, c'est celui dont David a parlé, c'est le retour des famines. Les famines ont lieu partout dans le monde tout au long de l'histoire et nous les avons éradiquées. Cependant, la famine est un exemple brutal de l'échec humain et en particulier à une époque où il y a tant de nourriture disponible par personne sur Terre. Il y a des famines qui menacent dans le Soudan du Sud, au Yémen, dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. L'autre problème, c'est que les pays les plus pauvres ont besoin de davantage d'aide dans les difficultés économiques auxquelles ils font face dans cette épidémie de COVID. Je pense que le rôle de la France au sein des institutions financières internationales extrêmement importante. Il y a eu une aide par le passé cette aide ne s'est pas renouvelée. Maintenant, avec le changement d'administration américaine, je pense que les pays ont une occasion pour traiter ce problème aujourd'hui, sinon le problème va s'aggraver. Merci. Peut-être Yanesh, Yanesh est encore là. Oui, c'est mon pote. Yanesh, un artiste à Bruxelles, est-ce qu'on peut le mettre? Ce qui nous inquiète le plus dans l'année prochaine, c'est l'impact de la pandémie sur les domaines économiques et sociaux. Dans une grande partie du monde, cet impact pourrait être beaucoup plus sévère que l'effet négatif dans le domaine de la santé. Alors c'est ça que nous attendons de l'année 2021. Merci, Philippe. Oui, j'allais dire, le problème, c'est qu'il y a tellement d'urgences qui s'accumulent que c'est peut-être difficile de sélectionner une urgence, mais je repartirai peut-être de la question de la rupture des chaînes d'approvisionnement et probablement effectivement la crise alimentaire aiguë à laquelle on risque d'assister. Les effets cumulés de la crise sanitaire et de ses conséquences sanitaires et sociales, économiques et sociales, il faut craindre évidemment des effets de chaîne. Nous avions beaucoup soutenu l'initiative française concernant les droits de tirage spéciaux pour le Fonds monétaire international et on sait malheureusement que cette initiative n'a pas pu aboutir. Il nous semble urgent de pouvoir lever des moyens additionnels massifs pour les pays les plus pauvres qui vont subir toutes les conséquences en même temps, à la fois du réchauffement climatique et des catastrophes sanitaires, économiques, alimentaires et sociales. Et donc la mobilisation pour le déblocage de moyens additionnels dont ces pays n'ont pas les capacités, comme nos pays les ont, genre la capacité d'endettement des pays européens notamment, un nombre important de pays pauvres ne les ont pas, et il nous semble que l'initiative internationale de la France, de ce point de vue-là, doit absolument se poursuivre. Merci Philippe. Monsieur le Président, comme je le disais en introduction, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir Marie-Pierre Callet, la directrice générale d'ACTED, en ligne pour des raisons techniques. Elle vous adressait un message. Est-ce que vous souhaitez que j'en lise au moins les trois premiers paragraphes, si vous l'acceptez, et si Marie-Pierre accepte qu'on raccourcisse le message plus long qu'elle avait proposé? Donc c'est un message qui vous est adressé par Marie-Pierre Callet, au nom d'ACTED bien sûr, que je lis tel qu'il est. Le drame de Corée, où 7 membres de nos équipes, dont 6 Français, ont été lâchement assassinés en août dernier, a été bien sûr un choc pour nous tous et restera pour toujours un drame pour les familles et leurs amis. Ces vies fauchées, cet avenir disparu, les ont fait rejoindre la triste cohorte des 1800 humanitaires assassinés depuis 2005 et nous rappelle à tous, durement, que si l'engagement humanitaire n'a pas de prix, il a un coût qui peut être le plus élevé de tous. Pourtant, nos équipes n'ont pas flanché et ont toutes souhaité continuer leur travail.
Nombre d'entre eux se sont portés volontaires pour rejoindre immédiatement le Niger afin de soutenir les équipes en état de choc qui ont voulu reprendre au plus vite les activités auprès de populations qui souffrent tous les jours. Aujourd'hui, ils se joignent tous à moi, et je suis en fait leur ambassadrice pour vous dire à quel point l'engagement de la France pour la sauvegarde de l'espace humanitaire, tel que vous l'avez exprimé en septembre à la tribune des Nations Unies, qui les a touchés et qui est important, très important même, non seulement pour eux, mais en fait pour tous les humanitaires et ceux qu'ils aident. Le message est plus long, mais comme effectivement il faut que la conversation puisse se poursuivre, je voulais au moins, et merci d'avoir accepté, vous lire cette partie du message de la directrice générale d'ACTED. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je vais peut-être, si vous voulez bien, essayer d'apporter quelques réponses à ce qui a été dit, en tout cas partager quelques réflexions, si ça vous convient. D'abord, je voulais vraiment remercier l'ensemble des participants, monsieur le ministre, monsieur le commissaire européen, monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le directeur général du programme alimentaire mondial et l'ensemble des représentants ou directeurs d'ONG. C'était, je le disais, un engagement que j'avais pris il y a un an à peu près, lorsque nous nous étions retrouvés à l'Élysée sur la situation en Syrie, de participer à cette conférence nationale humanitaire qui vient de se tenir. Et malgré les contraintes liées au moment, par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement. Parce que les valeurs qui sont les vôtres, les valeurs que nous portons, celles d'humanisme, de solidarité, de respect du droit, me paraissent plus essentielles sans doute encore aujourd'hui qu'hier. Et c'est le fil aussi directeur d'une journée qui nous a vu avec le Premier ministre, le ministre et plusieurs de ses collègues tout à l'heure, tenir un conseil présidentiel pour le développement où nous avons confirmé notre trajectoire d'APD et mise en place de nouveaux modes pour innover dans le financement du développement, reconstruire aussi l'expertise française plus forte à l'international. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des acteurs qui ont témoigné aujourd'hui, parce qu'ils sont au fond les visages de cet engagement. On l'a fait au nom collectif, mais Nadia Mourad, Rona Khan, Dr Bewa, merci d'être là et derrière vous, moi je vois le visage de ces jeunes, comme ceux de Franck, Sarah, Raphaël, Marie, Oumaïma, Emmanuel, engagés dans des ONG humanitaires et de développement qui agissent sur le terrain. Et ACTED nous a rappelé, c'est passé cet été au Niger, nous a rappelé à quel point les engagés de l'action humanitaire internationale étaient jeunes, porteurs de ces idéaux, et à quel point il portait aussi, je crois pouvoir le dire, une part du sens de cette volonté de faire l'histoire que notre jeunesse a. Et c'est pour moi extrêmement important au-delà de l'action qui est conduite. Et donc je veux avoir une pensée pour l'ensemble de leurs collègues et pour l'ensemble des familles de nos humanitaires qui sont tombés. Je souscris pleinement à ce qu'a dit le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, cher Marc Lahoch. La meilleure façon de rendre hommage aux travailleurs humanitaires est de financer leur travail et d'assurer leur sécurité. Et donc, vous l'avez parfaitement décrit, il me semble qu'on est à un moment où se conjugue au fond trois phénomènes qui peuvent conduire au pire. D'abord, on a une amplification de toutes les crises, sécuritaire, humanitaire, environnementale, sociale, alimentaire maintenant. Les chiffres ont été rappelés, ils sont clairs. 237 millions de personnes dans le monde ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire immédiate. Le retour des grandes famines, la multiplication des populations déplacées sur des théâtres de guerre qui sont parfois en réalité depuis plusieurs années. Et donc cette amplification est, je crois, inédite à ce point. Et la Covid est venue sur une situation déjà très tendue. À cette situation sans précédent dans l'histoire récente s'ajoute un rétrécissement inédit de l'espace humanitaire. Et c'est ce que soulignait lors de notre entretien avant-hier le président du CICR, dont je salue aussi le rôle, ainsi que toute son organisation, et je sais qu'il était avec vous ce matin dans l'enquête de vos travaux. Mais l'espace humanitaire, qui est notre patrimoine commun, est de plus en plus occupé par des acteurs ou des puissances qui
en viole la neutralité, qui l'instrumentalise, qui criminalise l'action des ONG, qui met en danger les personnes naturelles. Et cette restriction de l'espace humanitaire, elle est liée au fait que des grandes puissances, y compris parfois certaines qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, ont l'hostilité sur le terrain à l'égard des humanitaires, ont pu l'avoir, des grandes puissances régionales ont décidé de l'avoir, et qu'on a sur beaucoup de théâtres de guerre une action aujourd'hui de groupes armés qui ne sont pas étatiques, mais milices, proxy ou autres, qui menacent le travail humanitaire et contribuent à cette réduction en venant parfois au contact ou au conflit avec d'autres groupes terroristes. Les chiffres, vous les avez là aussi rappelés, sont extrêmement éloquents. L'an dernier, 483 travailleurs humanitaires ont été attaqués, 125 tués, 234 blessés, 124 kidnappés lors de 277 incidents distincts. Et la dernière décennie a connu une augmentation de 117% des attaques par rapport à la période précédente. C'est une recrudescence évidemment sans précédent contre l'ensemble des humanitaires, également aussi contre les travailleurs de santé qui a été enregistré en 2019, alors même que la pandémie est arrivée. Et puis le troisième phénomène qui explique et amplifie, si je puis dire, les deux autres, c'est la crise du système multilatéral. On l'a plusieurs fois dénoncé, je l'ai plusieurs fois revenu dessus et nous essayons de nous battre en la matière, mais elle est encore plus grave quand il s'agit d'action humanitaire, parce qu'il n'y a plus de garant en dernier ressort de l'ordre international. Plus de capacité collective à répondre aux crises auxquelles nous sommes confrontés, et à cet égard, le blocage du Conseil de sécurité depuis des années n'en est que le reflet et contribue parfois à aggraver ce que nous vivons. Il n'y a plus, de moins en moins, de sanctions à la violation du droit international humanitaire. Ce qui fait que progressivement, cette crise du multilatéralisme a des conséquences très concrètes quand il s'agit de travail humanitaire, c'est que l'impunité est devenue la règle, et la dénonciation est l'exception. Et cette sinistre réalité qu'il nous faut regarder en face, c'est que d'une certaine façon, nous avons permis au monde de s'habituer à ce que des écoles et des hôpitaux soient bombardés, des civils attaqués, des personnels humanitaires ciblés dans le silence et parfois l'indifférence générale. Et donc, je pense que cette conférence, à cet égard, est la participation de tous et toutes doit nous conduire à stopper ce mouvement, parce qu'il n'a rien d'inarrêtable. Et je veux ici pouvoir dire que la France, avec ses partenaires européens, est et sera votre allié dans ce combat essentiel pour défendre la dignité humaine et notre humanité. Parce que nous ne pouvons en rien accepter que les principes universels auxquels nous avons souscrit, qui sont inscrits dans des conventions internationales, dans la Charte des Nations Unies, soit piétiné ou remis en cause dans le cadre d'une forme de relativisme contemporain. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on ait au milieu de ces échanges, et je remercie Philippe Lechand d'avoir présenté la synthèse de vos contributions, et je vais essayer de répondre aux différents points, y compris ceux de la fin de l'échange. D'abord, la première réponse qu'on doit apporter par rapport à la multiplication de ces crises est véritablement à ce que vous décrivez les uns les autres comme les risques principaux de 2021, c'est un réengagement des grandes puissances et des pays les plus développés et les plus riches pour lutter justement contre la pauvreté, le risque sanitaire, la crise économique, sociale et alimentaire qui va s'inscrire dans le cadre, dans le sillon de la Covid. C'est ce qui a présidé à notre décision de présenter une loi pluriannuelle pour monter nos engagements d'aide publique au développement conformément aux engagements que j'avais pris à 0,55% du PIB en APD, avec d'ailleurs des chiffres quand on prendra en compte dès l'année prochaine et des annulations d'aide qui sont même plus importants. Mais c'est la volonté, au moment même où nous avons des défis chez nous, de ne pas nous replier et oublier la part de l'international parce que nous avons des destins liés. Ensuite, beaucoup m'ont évoqué Marc aussi en a parlé, c'est le sujet de la dette des pays africains. Nous avons mené dès le début de la crise Covid une initiative dite ACTA avec l'Union africaine pour justement apporter une réponse sanitaire mais aussi économique et sociale à cette crise. Je ne reviens pas sur le volet sanitaire qui est un soutien au système de santé primaire mais aussi en termes de traitement et de vaccins.
mais c'est pour moi également de réussir à redonner aux pays africains la possibilité de venir en aide à leur population. Le G20 a permis un moratoire sur les dettes, un rééchelonnement, et a ouvert la voie pour la première fois à une possible annulation pour certains pays. Nous avons embarqué la Chine dans ce mouvement, ce qui est aussi inédit dans l'histoire contemporaine. Nous allons continuer ce travail et il y a un rendez-vous important que nous tiendrons à Paris en mai 2021, qui sera le sommet pour le financement des États africains, où il y aura au cœur de notre approche la volonté de rééchelonner, voire annuler certaines dettes, en engageant l'ensemble des puissances développées et la Chine à nos côtés, pour permettre à l'Afrique de retrouver des marges de manœuvre et faire face aux crises que vous avez évoquées. Dans ce cadre, nous poussons aussi, comme nous l'avons fait en novembre dernier avec la directrice générale du FMI, l'idée d'émission de droits de tirage spéciaux. Et notre volonté, c'est non seulement d'émettre ces droits de tirage spéciaux, qui est en quelque sorte une arme monétaire offerte aux pays émergents, parce qu'ils n'ont pas ce que nous, nos banques centrales font depuis le début de la crise, ce qui nous permet de survivre, il faut bien dire. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse émettre ces droits de tirage spéciaux et que les Européens, les Américains, je l'espère aussi les Chinois, c'est une discussion et une négociation qu'il y aura à avoir, renoncent à ces droits de tirage spéciaux, puissent, et là, il y aura une ingénierie financière à avoir avec le FMI, mais les localiser dans un fonds qui permettra non seulement de les renvoyer vers les pays les plus nécessiteux, mais aussi de mobiliser la finance internationale vers les pays qui ont besoin de cet argent. Et moi, je suis très inquiet, comme vous, en effet, sur le plan humanitaire de la situation de l'Afrique. Elle a vécu sa première récession cette année. Elle aura une croissance de 2,5 à 3% l'année prochaine, ce qui n'est jamais arrivé depuis 20 ans, alors même que la croissance démographique, on le sait, continuera d'être autour de 7-8, ce qui veut dire que c'est une récession interréelle, avec des situations de très grande fragilité que vous avez évoquées, si on ne parle que de ce qui se passe, par exemple, en Éthiopie aujourd'hui, mais on a le Sahel, la région du lac Tchad, le Mozambique et bien. Ça, c'est pour moi le premier élément de réponse. Sur la solidarité internationale, incontournable dans la période que nous vivons, la France et sera aussi au rendez-vous en s'en donnant les moyens. Et au-delà de ce que j'ai annoncé sur l'APD, conformément à l'engagement que j'avais pris, la contribution française annuelle à l'action humanitaire et à la stabilisation en sortie de crise aura triplé depuis 2018 pour atteindre 500 millions d'euros en 2022. C'est bien cette trajectoire que nous avons aussi confirmée ce matin. Nous avions sur ce point perdu beaucoup de terrain. Il faut être lucide et nous remontons la pente parce qu'il ne suffit pas de dire que nous soutenons l'action humanitaire, il faut le faire en termes réels. C'est ce que nous avons fait au travers du pilier humanitaire de l'initiative pour l'Afrique, prise dès les premiers mois de la pandémie, comme je l'ai évoqué. C'est ce que nous avons fait depuis cet été au Liban, pour le peuple libanais, après l'explosion du 4 août. C'est aussi la réponse d'urgence que nous avons conçue et structurée avec vous. Face au conflit au Nagorno-Karabakh. Je remercie vraiment l'ensemble des ONG qui sont présentes et beaucoup d'ONG de la diaspora arménienne pour le travail remarquable qui a été fait à cet égard et dire que nous allons continuer dans la durée à porter ce travail humanitaire aussi en Arménie. Sur tous ces sujets, très clairement, donc vous l'avez compris, c'est aussi une volonté de nous réengager. Et vous avez parfaitement raison de dire que l'action humanitaire doit aussi intégrer en son sein une forte dimension environnementale. Nous devons accompagner ce mouvement, comme nous l'avons fait en faveur du développement avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Et je crois qu'il n'y a aucune fatalité à cet égard pour faire encore plus et aller plus loin. Sur la protection de l'espace humanitaire, là aussi, je veux que nous donnions les moyens d'agir concrètement. J'ai entendu les appels des ONG pour qu'une personnalité incarne ce patrimoine et le défende, notamment auprès des États où cet espace est menacé. Je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir un envoyé spécial auprès du secrétaire général, adjoint pour la préservation justement de l'espace humanitaire qui aurait pour mission de faciliter très concrètement le dialogue entre les États et l'ensemble des acteurs sur le terrain, et que ce soit une réponse extrêmement concrète aux situations que vous vivez et que nous vivons. Je suis également favorable à la mise en place d'une conférence humanitaire internationale.
qui rassemblerait les États et les collectifs d'ONG pour échanger sur un pied d'égalité sur les principaux défis liés à l'accès humanitaire. C'est d'ailleurs, comme plusieurs l'ont rappelé, le sens de ce que nous avons engagé avec nos partenaires allemands au travers de l'appel à l'action humanitaire. Le ministre portait ça avec son homologue. Et je souhaite d'abord, je remercie la Commission de se joindre, c'est très fort à ce travail. Je souhaite que ce travail soit amplifié en lien étroit avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU et le CICR. Et je suis favorable à ce que Philippe a évoqué tout à l'heure, les commissions paritaires qui se structurent dans ce cadre et permettent de conduire des avancées très concrètes que nous pourrons attendre dans un tel processus. Je pense que là, nous sommes, avec ceux qui nous rejoignent et ce qui a été dit, à une phase où nous pouvons justement aller plus loin. Sur les risques de criminalisation de l'action humanitaire qui ont été évoqués, ils sont très importants, on a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger sur ce sujet ensemble, et je pense que c'est un sujet d'ailleurs qui, au fond, vient refléter la transformation des grands conflits internationaux, leur hybridation, si je puis dire, et le fait qu'on a des puissances régionales qui travaillent avec des groupes locaux, créent beaucoup de troubles, qu'on a des groupes armés non étatiques et qui se multiplient et qui utilisent aussi sur le terrain l'action humanitaire, ce qui rend la situation extrêmement compliquée et ce qui a créé des situations parfois impossibles pour vous, j'en ai pleinement conscience. À nouveau, je pense qu'il nous faut continuer à être tous très clairs. Il ne faut jamais tomber dans le piège d'opposer la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'action humanitaire. Ça devrait au contraire compter si bien d'ailleurs que l'action qui est la vôtre fait partie de ce qui nous permet d'éradiquer dans la durée le terrorisme. Parce que le terrorisme se nourrit aussi de la grande pauvreté, de l'anomie. Nadia le sait ô combien, et je veux encore une fois saluer son travail dans le Sinjar. Et c'est aussi pour ça qu'on avait pris cette décision d'accueillir 100 femmes isolées. Je pense qu'on peut créer la vraie stabilité que si on associe parfois l'action militaire qui est indispensable, une politique humanitaire et une politique de développement qui consiste à s'occuper des populations, leur permettre ensuite de revenir le plus vite possible dans des conditions de sécurité et de stabilité politique sur leur territoire d'origine et en les aidant à se développer. Les principales ONG humanitaires françaises présentes ce soir ont depuis plusieurs années fourni des efforts importants pour justement se mettre en conformité avec les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, telles qu'est dictées par le GAFI. Moi, je veux saluer cet effort de responsabilité et de transparence. Nous devons le poursuivre dans le cadre de la redevabilité, c'est très bien dit, et en lien avec la progression des financements. Et nous devons, dans le même temps, aider les acteurs humanitaires à continuer d'agir, y compris sur les théâtres de crise les plus complexes. Très concrètement, ça veut dire aider à chaque fois à transférer les ressources, les personnels, les crédits, là où ils sont nécessaires pour que l'action humanitaire puisse bénéficier aussi efficacement et rapidement que possible à ceux qui en ont besoin. Alors nous avons tous un rôle à jouer et une vigilance à exercer pour faire en sorte que les dispositifs de lutte contre le terrorisme fonctionnent, que les régimes de sanctions qui sont un outil essentiel de gestion et de prévention des crises soient efficaces, mais qu'ils permettent aussi à chaque fois une action humanitaire indispensable. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance soit mis en place un dialogue en confiance entre les banques et les acteurs humanitaires. C'est la première étape indispensable pour rapprocher ces deux univers et faire en sorte qu'ils se comprennent mieux, dans le respect des obligations, des missions de chacun, et avec un objectif simple qui est précisément de travailler mieux ensemble pour permettre de continuer les actions utiles, y compris dans les théâtres les plus complexes, là où il y a des sanctions, là où il y a une pression accrue, on le sait bien, parce que beaucoup d'acteurs étatiques et non étatiques participent de l'action terroriste. Des premières solutions ont été identifiées. Très concrètement, les efforts engagés par les services de l'État et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, ont permis d'offrir justement un espace de dialogue aux ONG avec les départements conformité des banques et de s'assurer que les bonnes pratiques bancaires ainsi que les procédures de demande de dérogation soient mieux connues, notamment en les formalisant dans des guides pédagogiques à destination des ONG. Je veux que d'ici à 6 mois, nous ayons finalisé ce travail, donc les ONG avec les départements conformité des banques, pour qu'on puisse stabiliser, structurer, sécuriser ces canaux de financement sans faire courir le risque
aux ONG qui agissent et aux banques, évidemment, qui opèrent. Dans le même esprit, j'ai demandé aux administrations concernées d'identifier des solutions concrètes, opérationnelles, pour tenter d'apporter des réponses pratiques à toute difficulté qui pourrait survenir en matière de transfert financier pour éviter que des menaces de poursuite entravent indûment l'action d'acteurs qui ont mis en place tant des contrôles robustes. Que ces guides permettront de faire aussi d'ici à 6 mois qu'on ait fini ce travail qui était attendu. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir contribué avec les ministères à celui-ci. Je pense que ça répond au point de la justice. Je suis demandé au garde des Sceaux, par le biais d'une circulaire, d'appeler l'attention des parquets sur la spécificité de leur mission, des organisations humanitaires, de leurs acteurs, et sur la protection dont ils bénéficient au regard du droit international humanitaire. Il est élu de vos demandes fortes de ce droit soit pleinement reconnu et donc une circulaire du garde des Sceaux permettra de manière très concrète de le reconnaître et d'en informer l'ensemble des parquets de France. Votre indépendance d'action, vous l'avez très bien rappelé, se décline à travers les principes d'humanisme, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance portés par le droit international humanitaire. Et dans cette perspective, la France continuera, bien sûr, à faire une entière application, et je le dis ici avec beaucoup de force, et une clarté complète, nous appliquerons totalement le principe de non-discrimination dans l'attribution de l'aide suivant les besoins des populations en situation de risque humanitaire. C'est sur ces principes que vous fondez la protection de vos personnels vis-à-vis des protagonistes des conflits. Enfin, et là encore, afin de faciliter l'action humanitaire sur le terrain, je souhaite que la France, en concertation avec les ONG, étudie au cas par cas, selon les besoins, l'opportunité d'introduire ou d'améliorer les dispositifs de dérogation contenus dans les régimes de sanctions de l'Union européenne, comme des Nations Unies. Il est très difficile d'établir un régime de dérogation généralisé, parce que ça dépend aussi de ce qu'on parle et des plâtres d'opération, mais je souhaite que nous puissions avoir cette étude au cas par cas et que nous puissions faire. Et donc avec le centre de crise en l'espèce, qui joue sur eux, et merci encore à l'ambassadeur Chevalier pour vraiment le travail de confiance qui mène avec vous l'efficacité sur le terrain. Je souhaite qu'on puisse mener ce travail, si je puis dire, de déconfliction, de dérogation très claire à tous les dispositifs de sanctions, et que nous puissions engager nos partenaires européens dans ce travail. Ce sont des engagements ambitieux, difficiles, mais j'estime qu'il nous faut les porter pour être à la hauteur de l'action qui est la vôtre. Sur la mise en œuvre du droit humanitaire et la lutte contre l'impunité, enfin, nous allons là aussi renforcer notre action. Nous prenons d'abord pour nous-mêmes toutes nos responsabilités. Notre plan national de formation au droit international humanitaire, à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est finalisé. Il vise l'ensemble des acteurs français, militaires, des diplomates, des hauts fonctionnaires, afin qu'ils puissent, dans leur domaine d'action respective, promouvoir et relayer le droit international humanitaire. Ce plan prévoit également des actions de soutien et de formation de la France en faveur des acteurs étrangers susceptibles d'intervenir dans les zones de conflit. Je souscris à ce qui a été rappelé par plusieurs d'entre vous dans les échanges sur l'impératif de dénoncer beaucoup plus systématiquement les violations du droit international humanitaire dans les théâtres de conflit. Et là-dessus, je veux ici prendre un engagement très clair, la voix de la France sera encore plus forte et plus systématique, et nous verrons à mobiliser tous nos partenaires européens. Nous allons sensibiliser la Cour pénale internationale, notamment la procureure, pour examiner avec elle la façon de traiter de manière plus volontariste les crimes commis contre des travailleurs humanitaires relevant de son mandat. En fonction des circonstances, certains crimes commis contre des acteurs humanitaires pourraient être qualifiés de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, donc relevés de la compétence de la Cour. La France engagera un travail d'analyse pour introduire, lorsque cela est nécessaire, dans les régimes de sanctions des Nations Unies et de l'Union européenne, un critère de désignation permettant de cibler les auteurs des violations graves du droit international humanitaire, y compris les commanditaires. Il s'agit d'un travail que nous devons mener avec nos partenaires de l'Union européenne et du Conseil de sécurité. À titre national, nous développons des actions de coopération dans le domaine judiciaire avec les États qui souhaitent
afin qu'ils puissent de manière plus efficace ouvrir des enquêtes, engager des poursuites en cas de crimes contre les travailleurs du même. Enfin, dans le cadre de la présidence française du Conseil de sécurité des Nations Unies, en juillet 2021, nous organisons une réunion sur la préservation de l'espace humanitaire, incluant la lutte contre l'impunité. Voilà les quelques premiers éléments de réponse très précis, pardon, qui étaient trop détaillés, mais comme vous l'avez été dans vos interpellations, je souhaitais au maximum revenir sur chacune d'entre elles. Voilà les éléments sur lesquels nous allons continuer d'avancer au-delà de la réunion d'aujourd'hui. Cette action, elle est et doit être fondamentalement européenne, et je remercie notre commissaire, cher Yannès, d'être avec nous aujourd'hui. Son engagement est important et il l'a montré sur le terrain comme aujourd'hui en étant avec nous. Je remercie le PAM comme le secrétaire général adjoint d'être aussi à nos côtés. Les questions que nous avons soulevées aujourd'hui les porteront aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avec la volonté également d'arriver à des conséquences très concrètes sur le plan normatif en la matière. Voilà les quelques points que je souhaitais apporter dans le cadre de cette conférence. Je veux vous dire vraiment la fierté qui est la nôtre de travailler à vos côtés et d'essayer à chaque fois de vous aider, de vous apporter une réponse, d'accompagner votre action sur le terrain, parce que vous représentez des femmes et des hommes de courage qui sont mus par des valeurs et qui font que, je puis dire, y compris et surtout lorsque nous sommes dans cette situation de crise sanitaire, économique et sociale, c'est ce principe de dignité humaine que l'action que vous menez prend un sens tout particulier et qu'elle contribue aujourd'hui à faire l'histoire. Donc je vous remercie de cela.